gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, ici représenté, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, Messieurs les coordonnateurs de la coordination pour les changements de mentalité, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, j'ai le privilège de prendre la parole à cette historique occasion du lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics. Qu'il me soit permis d'entrer de jeu, de souhaiter la bienvenue à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cette cérémonie solennelle. En effet, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me réjouis d'apprécier à votre auguste présence, après une intense activité diplomatique pour la cause nationale, votre détermination quand il s'agit de travailler pour les intérêts de la nation dont vous êtes l'inlassable garant. La ville de Kinshasa, que je représente, ne peut que saluer aujourd'hui cette initiative de la coordination pour le changement de mentalité, qui est votre réponse à la question de savoir comment redresser l'homme intérieur congolais dont la mentalité a été longtemps courbée sous le poids des antivalères de tout ordre. Je vous dis mon implication, celle des Kinoises et Kinois, ainsi que de la régie financière de la ville de Kinshasa, dans cette campagne essentielle pour notre survie collective comme nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre accession à la magistrature suprême de pour l'action des pouvoirs publics place dorénavant les intérêts supérieurs du peuple congolais au-dessus de ceux de gouvernants. Ainsi, votre vision quinquennale du peuple d'abord place l'amélioration des conditions de vie de nos populations au sommet de vos préoccupations. Toutes vos réalisations amélioratrices de nos populations dans un océan des besoins de notre peuple ne se font pas sans un investissement de moyens financiers conséquents de l'État. Ces moyens financiers colossaux émanent de la mobilisation des recettes publiques. D'où cette campagne tombe à point nommé, car c'est l'occasion donnée à tous les fils et filles de notre pays de comprendre que l'amélioration de nos conditions de vie dépend de nos moyens dont nous donnons à notre pays. Qu'ainsi, en payant nos impôts, taxes et redevances, nous rendons service à même la réalité à son tour. Et les mauvaises conditions de vie contre lesquelles des moyens financiers conséquents sont en train d'être constamment investis.
Il s'agit donc pour tous d'un devoir patriotique et constitutionnel. Concernant la ville de Kinshasa, je remercie tous ceux qui ont fait preuve de leur civisme fiscal en permettant à l'exécutif provincial de disposer des moyens pour financer le plan de développement de la ville de Kinshasa. J'en appelle donc à tous les Kinois, propriétaires immobiliers, qui ne se sont pas encore acquittés de leurs impôts fonciers 2021, de s'en acquitter au plus tard le 31 décembre sans pénalité. Il en est de même de tous les contribuables redevables de la vignette non encore en règle. Demander la vignette au plus tard le 20 septembre 2021. De ces faits, répondre à l'appel de notre chef de l'État dans la cause nationale du civisme fiscal en payant les impôts et redevances de l'État pour doter celui-ci des moyens de tous. Surtout que désormais, du chef de l'État, aucun gestionnaire n'est à l'abri de la sanction quand il s'agit de protéger les finances publiques. Catégorie sociale. Vraiment. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en plus de la mobilisation des recettes, des se conforme à cette vision à travers la direction générale des recettes qui développe le module de télé, déclaration et paiement. La digitalisation de l'identification et immatriculation des motocyclistes permet un meilleur encadrement de cette catégorie de la population. La ville de Kinshasa, nous avons la charge et au sens des responsabilités pour un agir de qualité par tous, service de comme il est impérieux que la loi prévienne avant de frapper, cette campagne aura une dimension pédagogique à l'égard de tous et préparera le terrain à la coercition pour permettre à l'État de recouvrer ses droits par des moyens de contrainte publique. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les Kinoises et Kinois sont conscients de l'état dans lequel vous avez trouvé notre pays à votre avènement. Albert Camus disait « La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. » L'on pourra tout dire, mais aucun fils consciencieux de ce pays ne pourra vous reprocher votre bonne volonté politique. En effet, malgré de nombreux défis, dont celui de la modicité des ressources financières disponibles face aux besoins multiples et urgents de notre population, votre grande volonté politique remarquable à chaque instant est un vrai catalyseur de la nouvelle dynamique des changements de mentalité dans la gestion de la chose publique et nous fait croire par les actes qu'un autre Congo plus beau qu'avant, et possible par le travail pour le bien-être commun. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellences, Monsieur le Premier ministre,
chef du gouvernement, monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, leurs excellences, mesdames et messieurs, les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, monsieur le coordonnateur de la coordination des mentalités, j'ai dit et je vous remercie. Nous invitons le coordonnateur de la CSM pour son mot de circonstance. Avec les expressions de hommage honorable président du Sénat ici représenté, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Leur Excellence Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique représentant des systèmes des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, distingués historiques, où Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, va lancer la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics, ainsi que l'application Fine Alerte. J'ai un signe honneur de prendre la parole au nom de la coordination pour le changement de mentalité. Les parties prenantes compte de quelles je vous changement de mentalité qui a reçu le mandat d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, les suivis des divers programmes menés ou exécutés par les organismes publics et privés sur l'étendue du territoire, considère que la présente campagne qui couvrira d'autres allant du septembre 2021 à mars 2022, tombe à point nommé car la discipline et le civisme fiscal sont de préalable à la mobilisation accrue de recettes publiques supposées matérialiser la vision politique. La richesse d'un pays est constituée des différentes ressources que l'on possède, à savoir les ressources humaines, potentielles, ou réel, notamment le minerai brut ou transformé, les hydrocarbures, les eaux et les forêts, les terres arables, le produit manufacturé, le bien matériel et le service, les réserves d'or et d'argent, les masses monétaires circulantes dans l'économie, sans oublier sa diversité culturelle. La fiscalité constitue une source non négligeable de recettes de l'État. Le moyen financier accumulé dans le pays réaliser leur programme de progrès et de développement ainsi que de procéder équitable de plusieurs services d'intérêt public tels que la santé, l'éducation, le logement, le transport public, l'eau potable, l'électricité, la sécurité, j'en passe. Il est donc nécessaire d'assurer de l'existence fiscale dans le pays pour espérer faire de la fiscalité une source réelle de recettes. C'est donc pour cette raison que l'article 65 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule, tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis et qu'il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
a dit Jésus-Christ aux pharisiens, confirmant ainsi l'obligation fiscale des citoyens envers l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le civisme fiscal est l'accomplissement volontaire par les assujettis de leurs obligations fiscales. Les assujettis, donc personnes physiques ou morales, petites ou moyennes, voire grandes entreprises, doivent s'acquitter de ces obligations fiscales et s'attendre à savoir ce qu'on fait des deniers publics perçus sous forme d'impôts, de taxes et autres redevances. L'administration physique de son côté, fiscale plutôt de son côté, représentée par le régime financier, tant national que doit se considérer elle-même comme un instrument de perception pour renflouer les trésors publics en s'engageant dans un processus de rentabilisation de sa. De la bonne gouvernance. Il s'agit de mieux cerner les causes de la fraude et de l'évasion fiscale pour le prévenir afin d'attirer la crédibilité et la confiance de la population en général et des assujettis en particulier dans la lutte contre l'évasion fiscale. L'état des lieux du recouvrement de recettes publiques dans les États africains est jugé préoccupant par Salif Yonaba. Pour paraphraser cet auteur, le paiement de l'impôt est souvent mal perçu par le citoyen qui le considère comme une forme d'extorsion ou d'expropriation injustifiée et insupportable, surtout que se sont gravées dans l'imaginaire collectif des Africains les images des exactions et de maltraitances multiformes ayant caractérisé le prélèvement de l'impôt pendant la période colonial. Le même auteur affirme par ailleurs que le petit contribuable qui est d'emblée réfractaire à toute idée de paiement de quelques contributions se sentira renforcé dans ses convictions lorsqu'il s'aperçoit que des opérateurs économiques ayant une surface financière impressionnante de certaines faveurs de l'administration fiscale. Il est bien connu que dans les États africains, ce sont les gros contribuables qui échappent à l'impôt grâce aux divers réseaux auxquels ils appartiennent. Tel gros opérateur économique ou tel homme politique influent ne s'embarrasse nullement d'exploiter les relations personnelles qu'il entretient avec le plus haut responsable du pays pour obtenir quelques exemptions de divers droits, taxes ou impôts auxquels il se trouve normalement assujetti. Dans un tel contexte, il paraît illusoire de vouloir promouvoir le civisme fiscal chez les contribuables ordinaires. Et pourtant, il s'avère impérieux et urgent de mettre un terme à une telle situation qui est désastreuse pour les finances publiques. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un document qui actualise une précédente étude de 2013 sur le civisme fiscal de particulier et qui contient une partie entièrement nouvelle consacrée aux entreprises spécifiquement dédiées au civisme fiscal dans le pays en développement s'appuie sur des données de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE en sigle, relative à la sécurité fiscale pour examiner la question du civisme fiscal des entreprises dans le pays en développement et riche en leçons quant au contexte qui justifie l'obligation que les États ont de procéder à l'amélioration du civisme fiscal. L'étude relève la nécessité de mieux comprendre les motivations qui amènent les contribuables à participer au fonctionnement du système d'imposition et à respecter les obligations qui en découlent. Ce même document, disais-je, revient sur, entre autres mobiles, le fait que les données plus détaillées, qui n'existent actuellement que pour l'Afrique, montrent que la qualité perçue de l'administration de l'impôt joue un rôle décisif dans le civisme fiscal. Il souligne par ailleurs que la théorie du changement en faveur de la discipline fiscale proposée par la Banque mondiale postule que la confiance est déterminée par la mesure dans laquelle le système fiscal, notamment l'approche adoptée, de facilitation
et d'application de la législation fiscale présente des caractéristiques de justice, d'équité, de réciprocité et de responsabilité. En conséquence, renforcer la discipline fiscale ne passe pas seulement par une amélioration de l'application de la législation fiscale et le respect imposé de l'obligation fiscale, mais aussi par la promotion d'un respect quasi spontané des obligations fiscales que suppose d'établir une relation de confiance et de faciliter les paiements des impôts. Tout ceci reposant sur un système d'application de la législation fiscale crédible, juste et équitable. Ainsi, l'adoption d'une approche davantage axée sur le service aux contribuables plutôt que sur la mise en application du droit fiscal a aidé l'administration suédoise des impôts à renforcer la confiance des citoyens à l'égard du pouvoir public, le civisme fiscal et, partant, la discipline fiscale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout en prenant en considération cette situation de réticence et d'un civisme fiscal dans le pays en développement et en Afrique, il est très important de cerner les dites causes dans notre nation. En République démocratique du Congo, on note une certaine réticence à payer les impôts et taxes. Cela est en partie lié à l'histoire du pays, mais également à l'ignorance des notions de l'impôt. À l'époque coloniale, l'administration obligeait tout le monde à payer l'impôt. Et ceux qui ne le faisaient pas étaient fous, étaient ou sévèrement punis. L'indépendance du pays signifiait pour beaucoup la liberté et la fin de la perception de l'impôt par l'État auprès des citoyens. Parmi d'autres causes de l'incivisme fiscal, on peut relever le manque de patriotisme, la corruption, l'ignorance de l'impôt, la méconnaissance des textes légaux en matière fiscale et non fiscale dans le chef des assujettis, la faible sensibilisation de la population par l'État sur l'importance de l'impôt, la démotivation des assujettis due à l'utilisation irrationnelle des recettes mobilisées, le manque de redevabilité des gestionnaires, l'impunité, le manque de sanctions négatives ou positives, la faiblesse de revenus des travailleurs, le poids de la fiscalité, la prédominance de l'économie informelle, la faible activation des assets confisqués, la taxation d'office intempestive, la mauvaise politique de recrutement et de retraite. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de manière générale, on note que la malgouvernance a élu domicile en RD Congo, depuis son accession à l'indépendance. Notre nation, en plus d'occuper géographiquement une position stratégique et crédible, un scandale géologique de par ses ressources variées et innombrables, à même de lui permettre d'être un géant et un havre de paix à la prospérité partagée par tous ses venus par la contradiction saisissante entre ses immenses potentialités et la misère sur plusieurs générations de ses populations. Profonde et insidieuse qui sévit depuis est à la base de crises politiques, institutionnelles, sécuritaires. Cette crise morale, la classe politique a atteint toute couche sociale et se caractérise par la loi du moindre effort, la corruption, les détournements. Il est aussi établi que la plupart des pays économiques et plus de fonds. Du fait que cela réduit l'assiette imposable. De prendre conscience à l'occasion de cette campagne que l'action du champ de mentalité va venir l'importation de nos produits, les apports de moyens conséquents. À cette liste non exhaustive de besoins vitaux pour la viabilité de notre nation s'ajoute
le renforcement de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, base pour continuer à par l'éducation. Les routes de desserte agricole, même avec une conscience patriotique avérée, le vrai Congolais n'étant pas que celui de père et de mère, mais aussi celui qui s'acquitte de ses obligations constitutionnelles d'impôts, taxes et redevances. La multiplicité de nos besoins et la hauteur de notre vocation de puissance sont telles que le partenaire international peut nous venir en appui sans jamais nous donner tout ce qu'il faut pour notre propre développement. D'ailleurs, avec la crise Covid-19, chaque pays a tendance à se renfermer sur lui-même et à sauvegarder ses intérêts nationaux. Si nous prenons conscience que Congolais né à Kotonga Congo, chacun aura un devoir sacré d'avoir un numéro impôt, au moins 80% d'atteindre son une mobilisation accrue de recettes de l'État. L'effort devrait être maintenu de manière à permettre au gouvernement de la République d'accomplir ses missions et ses obligations auprès de la population. La pérennité de cet effort n'est possible que si tous les acteurs concernés par la moralisation de la vie publique s'impliquent davantage dont la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déchets publics. C'est notamment le cas de la coordination pour le changement de mentalité, CESEM, qui, conformément à ses missions, organise cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déchets publics destinée aux parties prenantes à la problématique de l'administration fiscale. Campagne faire par le respect de règles et procédures mises en place pour une gestion saine et transparente, des considérations éthiques et morales dans la manière d'administrer et l'argent public retrouve progressivement sa nature sacrée, si bien que désormais, quiconque en dispose illégalement sait qu'il ne bénéficiera ni de la loi du silence, ni de l'impunité, quelque niveau que ce soit. Le moment est venu pour parler du bien fondé de la présente campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics. Dans le cadre du changement de mentalité, la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déchets publics a pour objectif général de veiller la conscience de la population, des administrations fiscales et des décideurs au civisme fiscal et à la gestion responsable des déchets publics afin d'instituer la culture fiscale. Par conséquent, en termes de résultats, la coordination pour le changement de mentalité ainsi que les parties prenantes à cette campagne auront une entière satisfaction lorsque la conscience de la population, des administrations fiscales et des décideurs aura été éveillée au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics et que le premier pas vers l'institution de la culture fiscale auront été posés. Pour aller conclure, mon propos, pour permettre une meilleure sensibilisation, quelques modules en rapport avec le thème de la campagne ont été développés à l'intention des participants à la campagne et le parti prenant, parmi lesquels ceci, le patriotisme, la bonne gouvernance, le civisme et fiscalité, redevabilité, vulgarisation des textes et communication fiscale. Le chronogramme des activités s'étale sur 6 mois, à savoir de septembre à mars, afin de s'assurer de l'atteinte de l'objectif assigné
à la présente campagne, les indicateurs de performance et de réussite ont été clairement définis. Le suivi fiscal est possible dans ce pays qui est rempli de millions de croyants qui, en donnant leurs dîmes, leurs offrandes, leurs actions de grâce, leur libéralité, ont largement contribué à la réalisation de nombreuses infrastructures religieuses, médicales, scolaires, universitaires, etc. L'exemple venant d'en haut, votre participation active à cette cérémonie, comme premier citoyen de la République, ainsi que celui de tous les chefs de corps constitués, sont de ferments qui inciteront à l'appropriation du civisme fiscal par tous les Congolais et les étrangers établis sur notre sol. L'ancien président américain Franklin Roosevelt, il y a un cycle mystérieux dans les événements humains. À certaines générations, il est beaucoup donné. À d'autres, au contraire, il est beaucoup demandé. Nous savons tous, vu le défi de notre nation, que nous sommes de la génération à laquelle il est beaucoup demandé. Cependant, la mesure de votre détermination, la hauteur de vos idéaux et la profondeur de votre attachement humain à votre peuple nous rassurent que sous votre leadership exemplaire, nous ne raterons pas notre rendez-vous avec la destinée de cette grande nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellences, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, leurs excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organismes du système Nous invitons le ministre des Finances pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, ici représenté, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le Gouverneur, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment de joie que j'interviens dans cette activité de lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Excellences, Monsieur le Président de la République, tout processus de changement positif d'une nation a comme levier déclencheur le changement de comportement, c'est-à-dire la manière d'être et d'agir. Le comportement de l'homme contribue soit à la chute, soit à l'émergence d'une nation, d'une société. D'entrée de jeu, il est important pour moi de rappeler que les recettes fiscales permettent à l'État de disposer des ressources nécessaires à son fonctionnement harmonieux et ainsi à assurer son développement. Il sied de noter que la mobilisation des recettes permet au gouvernement de limiter sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure et assurer ainsi son indépendance. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués participants, comme d'aucuns le savent, il a été maintes fois reproché à la fiscalité congolaise certaines pratiques dont la corruption, le clientélisme, les tracasseries de tout genre et de toute nature. Je viens le démontrer tout à l'heure. Toutes ces pratiques sont sans doute l'expression d'un incivisme fiscal que nous devons combattre et que nous sommes en train de combattre en agissant avec tact
pour juguler le coulage des recettes publiques. Excellences, Monsieur le Président de la République, une des causes principales qui rendent difficile l'atteinte des assignations par les régions reste bien entendu l'incivisme fiscal qui se manifeste entre autres à travers l'ignorance de l'importance de l'impôt par une frange importante de la population, la démotivation des assujettis, le manque de redevabilité des gestionnaires, etc. Face à ce tableau sombre, le civisme fiscal s'impose comme une nécessité impérieuse pour permettre aux régies financières de maximiser les recettes afin de donner à l'État, à travers le gouvernement, les moyens dont il a besoin pour son développement. Le civisme fiscal est donc l'accomplissement volontaire par les contribuables de leurs obligations fiscales. Il se traduit par le remplissage des déclarations fiscales, leur dépôt dans les délais, ainsi que le paiement spontané de l'impôt dû. Il y a lieu de rappeler que le civisme fiscal est une question d'état d'esprit, de mentalité, de comportement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la sensibilisation au civisme fiscal, tant pour les agents de l'État que pour les contribuables, qui porte essentiellement sur l'information et l'éducation fiscale, revêt une importante capitale et nous sommes honorés de pouvoir présider la cérémonie de ce jour. Les agents de l'État et les contribuables doivent être suffisamment informés sur le bien fondé de l'impôt, son essence, son rôle dans l'édification de l'État. L'incivisme fiscal n'est pas toujours délibéré ou conscient, mais il est parfois sécrété par le manque d'informations, ainsi la nécessité de dynamiser les canaux d'information aux matières fiscales. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués participants, face à cet incivisme fiscal, il s'avère impérieux de mettre en place une administration fiscale rigide et sans complaisance. Pour vous paraphraser, Monsieur le Président de la République, je dirais que le pays a besoin d'un état de droit en matière fiscale. Cela se traduit par l'éradication du coulage des recettes, l'abandon de toutes sortes d'antivaleurs dans le secteur de l'impôt et bien entendu le recours à la sanction quand cela s'impose. Pour gagner cette bataille, il faut bien entendu changer les mentalités. Et à ce titre, il me paraît difficile d'opérer ce changement déterminant des mentalités tant et aussi longtemps que les personnes physiques ne seront pas astreintes à la déclaration des impôts comme c'est le cas pour les entreprises et les personnes morales, car il s'agit avant tout du changement des mentalités, une question de responsabilité, une question de redevabilité et une question individuelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les chefs de corps constitués, distingués participants, le changement des mentalités des acteurs intervenant dans le secteur des impôts devient donc un impératif dans l'atteinte des objectifs du gouvernement pour lequel nous avons été investis. L'homme qui doit changer sa manière d'être et sa manière d'agir au quotidien. C'est ainsi qu'en soutien à cette campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et en vue de contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière, de la qualité des services rendus aux assujettis, mais aussi de se conformer aux bonnes pratiques de gestion de la chose publique, j'ai le plaisir d'annoncer la mise en marche ce jour du service FinAlert. En effet, au travers d'un portail web accessible via le site du ministère des Finances, ainsi qu'à travers une ligne gratuite, FinAlert est un service permettant aux personnes morales et physiques de soumettre de manière anonyme ou non
selon leur choix, à l'attention du ministre des Finances, des plaintes et dénonciations se rapportant, entre autres, à des cas de fraude fiscale, fraude douanière, tracasserie administrative, harcèlement, concussion, corruption ou tout autre acte illégaux dont elles sont ou elles auraient été victimes ou témoins, afin que des actions idoines soient prises pour y remédier. En prime de ce portail, le numéro vert, donc gratuit, ainsi que l'application mobile, seront disponibles dans les tout prochains jours et leur vulgarisation sera faite afin qu'une large partie de l'opinion des contribuables puisse s'en servir au quotidien. Monsieur le Président de la République, distingués participants, en vos titres et grades respectifs, permettez-moi d'ajouter que le civisme fiscal n'est pas seulement une question de recettes, et nos artistes l'ont très bien reflété. Il justifie et se renforce par la qualité de la dépense publique. Une dépense utile, une dépense équitable, solidaire et juste. Une dépense qui contribue à l'amélioration du bien-être du plus grand nombre, comme vous l'avez si bien dit, le peuple d'abord. La RDC a besoin de véritables citoyens, c'est-à-dire d'hommes et de femmes patriotes, redevables, loyaux, honnêtes, droits, disciplinés, dignes, justes, équitables, courtois et compétents. Cela ne s'obtient certes pas en un jour, mais il s'agit d'un défi permanent. Et l'important, c'est de toujours progresser. Aussi, je félicite la Coordination pour le changement des mentalités, la CCM, pour l'initiative louable de ce jour, et je souhaite plein succès à cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, pour son allocution. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat ici représenté, Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Messieurs le conseiller spécial en charge du changement des mentalités et coordonnateur de la coordination pour les changements des mentalités, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque un moment important dans le processus d'instauration de la bonne gouvernance en vue de l'amélioration du bien-être de la population de notre pays. Au regard des objectifs et des résultats attendus de la campagne qu'elle inaugure, elle vient renforcer les efforts du gouvernement de la République dans la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent les secteurs économico-financiers et inhibent le développement de notre pays. Elle réaffirme et matérialise la conviction du ministère selon laquelle le succès de la lutte contre les 10 antivaleurs est tributaire de la reconversion des mentalités et de l'adoption par tous d'un autre mode d'être,
d'un autre mode de pensée, d'un autre mode d'agir mieux, d'un autre mode de vie compatible avec le bien-être collectif. Comme ne cesse de le souligner avec insistance, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est du changement de mentalité de tous que proviendra le développement de la République démocratique du Congo. C'est donc avec joie, une joie immense, que je prends la parole du haut de cette tribune pour exprimer ma satisfaction de voir ce moment arriver et saluer cette initiative combien louable et patriotique de la coordination pour le changement des mentalités. Et je saisis cette opportunité pour féliciter le coordonnateur de la CCM pour avoir eu cette heureuse inspiration. Monsieur le coordonnateur de la coordination pour les changements, qui ne parviennent pas à refléter le potentiel économique réel de notre pays sur les finances de la République et partant sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le budget de l'État étant l'expression chiffrée de la politique de gouvernement qui elle-même se résume dans la conquête du bien-être de la population, son niveau réduit se traduit en incapacité des responsables publics d'accomplir toutes les tâches nécessaires pour des résultats à impact concret préconisés. La politique du gouvernement se décline en charges publiques, notamment pour la dotation du pays en infrastructures de base de l'économie, la garantie de la sécurité des personnes et de leurs biens, l'assurance des soins de santé, l'assurance de l'éducation, etc. La réalisation de toutes ces charges publiques, la mission de le bien-être social, exige des moyens qui s'appellent budgétaire. Il faut donc noter que les dépenses, d'où l'importance de c'est que dans tout le monde, le niveau de recettes inscrites dans le budget de l'État est un minimum, c'est-à-dire qu'il faut l'atteindre absolument sous peine de sanction. Tout cela parce que le bien-être de la population de faire payer ses recettes. Notre pays dispose aussi des textes convenables et en phase avec les standards mondiaux. Mais il se fait que la production de justement qu'intervient la notion de civisme fiscal. Force, y compris. Ainsi, tout citoyen doit inscrire à l'esprit que nous devons payer ses droits à l'État. La loi des finances 2021 est de 14 620 milliards de francs congolais, dont 9 recettes internes. Rapporté sur un PIB, produit intérieur brut, 111 milliards de francs congolais, 7%, niveau inférieur à celui de la dîme de 10%, payable sans contrainte, ce qui fait croire à un pays à économie défiscalisée. La réalisation des richesses cette année 2021 est attendue à la hauteur de $ américains. Avec une pression fiscale d'une moyenne de 17%, les recettes publiques cette année alors qu'elles ne sont qu'à 7,1. Même à un niveau aussi chétif, ces recettes ont difficile à être réalisées. Il faut pourtant noter qu'à la lumière de l'opulence dans laquelle vivent le fisc et devant la contradiction persistante entre les chiffres déclarés auprès des litigés comme paiement effectué pour le compte de l'État par les opérateurs économiques et ceux renseignés par le caissier de l'État central du Congo, il y a lieu d'appuyer la thèse selon laquelle de tous les prélèvements d'argent effectués de l'État en RDC, seule la moitié arrive à la caisse de l'État. L'autre moitié étant partagée
entre certains agents du fisc et opérateurs économiques véreux. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, mon vœu est de voir cette campagne contribuer à l'amélioration de la performance des administrations fiscales et financières. Position favorable pour la mise en œuvre des budgets convenables et changer les mentalités des contribuables et des agents de l'État commis à la collecte des recettes pour qu'ils dégagent ou qu'ils s'engagent à observer des comportements conformes à la loi en ce qui concerne les recettes de l'État. C'est de cette manière que tous, nous allons doter l'État congolais des ressources nécessaires pour assurer le développement économique de notre pays et le bien-être tels que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de par son auto, les peuples. La campagne. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Monsieur le Premier du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le coordonnateur Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, il m'est fait l'honneur de procéder ce jour au lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, ainsi que de l'application FinAlerte du ministère des Finances, destinée à intensifier la lutte contre toutes sortes de prédations dans nos régies financières, en offrant à tous les contribuables la possibilité de dénoncer en toute sécurité les pratiques illégales dans le circuit fiscal et parafiscal de notre pays. J'ai tenu, au milieu de toutes les priorités liées à mes responsabilités, à marquer d'une pierre blanche cet événement, ce qui témoigne de ma détermination à changer de paradigme dans la gestion de la chose publique. Ma joie est d'autant plus grande que la campagne touche à un sujet d'une importance capitale pour le développement de notre pays et s'inscrit dans la droite ligne de ma vision, traduite par mon plan quinquennal en cours d'exécution par le gouvernement de la République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, il est universellement reconnu que l'impôt joue un rôle essentiel dans le développement des nations. Par l'impôt, les États mobilisent les ressources qui leur permettent d'intervenir dans plusieurs domaines qui sont déterminants en termes de développement, tels que la mise en place d'infrastructures, la couverture sociale, l'éducation, les soins de santé, le logement, l'eau, l'électricité ou encore la sécurité. Rigoureusement collecté et géré, l'impôt alimente le trésor public et réduit la dépendance de l'État aux financements extérieurs.
C'est la raison pour laquelle, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics l'un des piliers de mon action pour vaincre la pauvreté et assurer le bien-être social pour tous. À cet effet, j'ai veillé à ce que la justice recouvre son indépendance afin qu'elle puisse jouer son rôle naturel sans complaisance dans cette lutte commune. Dans le même ordre d'idées, j'ai procédé à la réactivation de l'inspection générale des finances, dont les patrouilles financières produisent progressivement des effets bénéfiques. En outre, conscient de l'immensité et de la complexité de la tâche, au vu de l'altération de la conscience collective, j'ai créé au sein de mon cabinet la coordination pour le changement de mentalité qui, dans mon entendement et ma vision, se conçoit comme une structure charnière de l'instauration effective d'un état de droit, l'amélioration des performances économiques et la réalisation du progrès social. Fort de ce qui précède, c'est dans cette optique que j'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo, afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs. La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le peuple n'accordera aucun pardon à tout celui qui entravera sa marche vers le progrès. À cet égard, il revient aux gestionnaires d'aligner leur action sur l'éthique de responsabilité pour recouvrer la confiance du contribuable. L'éthique postule aussi que toute responsabilité implique l'obligation de répondre de ses actes et d'en assumer pleinement les conséquences. En outre, j'invite la population congolaise en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues. C'est de cette manière qu'ils pourront donner à l'État les moyens nécessaires pour répondre à leurs multiples attentes. À tous, la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo rappelle les obligations légales de paiement des impôts, taxes et redevances et les bénéfices y rattachés, ainsi que les moyens coercitifs dont peuvent user les pouvoirs publics vis-à-vis des récalcitrants pour les recouvrer. Sur ces mots, je lance la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, ainsi que l'application FinAlert. Je souhaite à tous les acteurs impliqués un franc succès. Vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie.
À cette étape didactique de la cérémonie du lancement officiel de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, nous allons inviter quelques personnalités qui vont accompagner le chef de l'État pour cette tâche. Alors que les personnalités sur la magistrature suprême le 24 janvier 2019, les honorables présidents de l'Assemblée nationale perverses se font sentir, très chers les téléspectateurs. Le président de la République, après avoir prononcé son discours, il va procéder officiellement au lancement officiel de la perception de l'impôt sur les guichets avancés. Il y en a quatre au total, le guichet de la DGDA, de la DGI, de la DGRAD et de la DGRCA. Justement, au travers de ces images qui vous arrivent, le chef de l'État est juste devant l'un des guichets. Il va certainement faire la ronde des quatre guichets qui sont là avec un comité restreint. On a parlé du Premier ministre qui sera à ses côtés, du président du Sénat et de l'Assemblée nationale ici représentée, le Sénat est représenté. Il y a les honorables questeurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ministre de l'État, ministre des Budgets et ministre des Finances, les gouverneurs de la ville et province de Kinshasa, les confessions religieuses, les mamans maraîchères, les étudiants, les motocyclistes et autres personnalités, vous le remarquez, là devant l'un des guichets construits pour la circonstance. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons la ronde de la table ici pour céder également le micro à nos confrères et consoeurs langue nationale, Rachel Guetta. Le président vient de prononcer son discours et maintenant, à l'instant même, il procède au lancement officiel de la perception de l'impôt des guichets avancés de la DGDA, la DGI, la DGRAD et la DGRK. Tous ceux de la Blaise Bokokia, Fumadjita Nadia Kongo Mralata, Félix Antoine Tsiketulumbo, Mano Kouiza, Mouki, Bokovijaba, Nadia Kongo Mralata, Boise Bibia Kana, Koufota Chitadi, Chitadi Kalma Kwambisha, Bokeban Tumu Kumena, Wajitunga Nadia Kongo Mralata, Nankuye, Kudumta Chikemu, Tia Kunzulula, Disson Solona, Jabana, Mono Mono Kongo, Pachinum Chitangila, Di Futa, Dia Chitadi, Nanko, Dumekala, Muya, Wendan, Kubibamba, Bibuko. Si bako kokwangata mfalanga ya bita dini kuma makomblisha basi tonga kongo mala tadi mala kumpala bumudi shibambalo chinena cha DGI direction générale des impôts bobo badini boko kesi bako makomloja makuta onso a chitadi ke balkai badi kala bonveja fuma du tonga kakes kakes sa mushu kai budi kala bako atamudumu wako kongoloja mpetu onso ya ditu kongo kongo mala tadi mikali fumina ko chitadi bako yele mukabondo kambula matadi chena bwana chichi Tinela, Bolbosse, Chen Bolsa, Kujale, Chicham Bosse, Mushukai, Udi Moxon Sola Bar, Monocongo, Mushudu, Udi Moako, Sangalvetu, Sindaka Mokfetadi, Nukumaka, Bidimanda, Wajukomoloja, Lupetu, Lamatadi, Nukumela, Mo, Debabi Pondi, Bonsebunko, Maskul, Mashishanga, Mesa, Kujibantu, Sekelu, Debakalam Bovija, Kakeskesa, Mushukai, Uban Monocongo, Mona, Moktayantema, the Kumoksujumoka, Munyanda, Edimakali, Tanganuko, the Fota, Jachitaji, Monomato, the Kongo Molata. Bow to one of the Chondo Chajitonga, shall I come about Chichitaji, Chibuka. Futa, which I'm sure we call Hapomakulanta Gangila, Kumana Mokfuta, Benamu, Bablamatadi, Kumana, Makosu Pitadi, Munmas in the Kongo Malata, Kuman was Bibamabish and the Navy, Makosu was said to the Kongo Malata, the Monomakutanta, the Pia de Kumpala, Ditunga, the Kondraboni, Ditunga Julan Tent and Babaji, Kadiba de Monomatunga, the Kalabaki, the Kabani Chakuja, and Sichakuna, Paco. Bikana mtu ni mtu yonso, mikala, muna na luna yuenda, kujifuta jachitaji, nipi ya sabwasi, jitu wanda kongo mulata, dimona, mkwye jukumpala, nibana bajitu nga, kaba yukutangila, mesu kumbatu, mengi nasha, ya usebino kuhu, bikala, mvija, fuma jitu wanda kongo mulata, Felix Antoine Sekulumbu, mkwye kwa kajan sombe mulenga, wabana, bajitu nga, wanda kongo mulata, kibuwa, 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 SSM kasumuka kubwa ku katika la kalwanga namba kushitulula nyele lwa meji wa bana ya Kongo ta bavwa banga tijipanga tikeje nokuja kusonselela bana batitonga chimu chikachitangela difuta ja chitadi cha mbula mataji mwana buloba mbula mataji ujimu buku okesh
Merci beaucoup Rachel Keta, très chers téléspectateurs. Le président de la République poursuit la ronde des guichets est construit ici au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple où il visite notamment la DGDA, la DGRA, la DGI et la DGRA à avoir leur numéro fiscal. Une mobilisation accrue des recettes de l'État, cet effort devrait être maintenu de manière à permettre au gouvernement de la République d'accomplir ses missions et ses obligations auprès de la population. La pérennité de cet effort n'est possible que si tous les acteurs concernés par la moralisation de la vie politique s'impliquent davantage dans la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics. Mathieu Moudiban. Yasolo, yangonde likambo bulamatari esengo sa mosala pona kopesi biano na boko mituna pe mitungisi ya bane kolo Congo démocratique kolandema ebikeli pe mbungwana ebikeli ya bango masikule matano masakola maikaso eleko eye mukambe kolo feri 50 sekiti lombaze kozwa ndimbola esika yoko na yoko ebongisa mina stand wana ezalinda kisabai DGI bazali wana DGRA DGDA DGRK baso bazali wana ezali compagnie IE et commanda bongo contre un solomia l'état on dira un paco on dira un taco n'est pas 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 n'est Mpe oeleko, azwa kampifo ya yebo kambi RDC, kati ya makambo manene mpe mayambo, mayalo belaki, ezali kambo ya bubundisi kanyaka, pe li kambo ya bubundisi baiba buba kamisolo miareta, lokona miabango kati ya libenga, pe li kambo liye, atase te misami ya bonsomi, misaya na bosembo boyango, pe bozana bonsomi, boye bosengeli kosa mosala engebene, na makambo pase maso masenge ko kendebe oboso na tina potombwani boyeko la biso Congo démocratique atali sete bae baso mosala mosala mwa bozwintako bipai na bipai pona botomboli misala pe botena katali benga leta tombeli bango mosala molamo pe elonga deta mokamisa budget ya atali sete bofuti mpako moto nyoso ezali kambote ya bosengi moto Sengeli kufuta ngote kasi sengeli kufuta zali etumbu pamba te obuki mobeko pe ya talichete ekosala natina ya kusunga misala mitombo ma mikendo boso pe kobuba bato bachaka misoro mia bango kata libenga leta to pe coulage des recettes publiques sengeli kambolina lisuka pamba te ko so Congo démocratique se kozwa botombo mi boyango bongo ongambo ya ministre mokamisa mia misoro mabele ma République démocratique du Congo Nicolas Kazadi Je partage cette ricambolitari bofuti mpako mbongwana mabanzo kati ya ngwe na bongola ezaleria ye pona komema botombo mi okati ya ekolo alobi ya ngwe te singeli biso banso torongola ezaleria be elobelie moni be okati ya biso ya kokola kufuta ntako esengeli na yo te moto nyoso e kutu mokambi bwa ekolo kokita na mbula Parlement, basali baso ba leta na pe moto asuka na za kosala kati ya leta esengeli afuta mpako ya ye pe mpako ekosala te misala mia botombo linki
makendo boso mapitalo pona bokolo ngolo bonzoto bolamba bane kolo botonga mwa banjila mituka mitambola malamu bisike zali mabulu maneno kata bituka boko dipai masomana mabongisa na ya malamu penza pona tina botombo misalo kata kolo abiso nzoka ne mokambia sesem ye pa zwa ki maloba pona kota lisali kambote bato bayike soko bafuta kampa kote zali bolinga ka seseri kolongola bolinga bona kongole nde akotonga nde ye na nzela bofuti ntako mokambi mwa mokonzi Kinshasa Jean-Tini Ngobila ona atali sete ezali esengo na ikata bofuti ntako mulumu moko kende kino na mobu mozali koya kasi pona bofuti mpako ya mapango ndo kwa ngai bezi bokoti mpako ya mapango ezali apesie la ka kino na suka mobu moye pe mpako tope vine ya motuka kino na tuku mbale sandali bomo buko to bale tuku bale na moko olenge masikule maike masakola miawa bezi bokoti. C'est difficile pour les spectateurs de prendre le micro quand ma qui implique la rigueur, le respect des règles, des procédures mises en place. Du changement de socialisme fiscal a pour objectif principal d'éveiller la conscience, la et à la gestion responsable des deniers publics, d'instituer la culture fiscale. Il faut éveiller les consciences des contribuables et de s'acquitter loyalement de leurs devoirs constitutionnels et patriotiques en payant les impôts taxes dus à l'État, aider les administrations fiscales à mobiliser et accroître les recettes de l'État dans le respect des textes en vigueur, promouvoir la mutation de l'économie informelle vers l'économie. Sérieuse pendant cette ronde effectuée aux prises génératrices la DGRAD et la DGRK qui est là pour les comptes, la ville, les provinces de Kinshasa. Nous avions dit que juste après les découpages, chaque province a pratiquement créé sa direction provinciale des recettes. C'est la raison pour laquelle les provinces aujourd'hui fournissent des efforts au-delà d'un budget leur alloué par le gouvernement, au-delà de cette caisse de péréquation où une quotité est réservée à chaque province, au-delà du financement et surtout au niveau des infrastructures routières qui peuvent venir du FONER. Et chaque province multiplie les efforts pour construire soit un pont, soit une école, soit un hôpital, et alors pour que la population puisse se retrouver. Et c'est la vision même du président de la République qui tient à cœur ce slogan laissé, légué par son pauvre papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui disait lors de sa campagne en 2011, le peuple d'abord. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne s'est pas dérobé de ce slogan. Il a pris à bras le corps ce slogan lancé par son père, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, lors de sa campagne électorale à la présidentielle de 2018. Et les aspirations du peuple congolais sont les préoccupations du président de la République qui se matérialisent au travers les programmes du gouvernement défendus par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kombé et voté au Parlement juste pour l'investiture de ce gouvernement qui prend à bras le corps les préoccupations de la population Wivinja.
Ma tondo mingi mpangi Blaise Bokokia ya tileka bitke kana ulandaka na awana 15 ya kupesa nzila samu na bantu na kati ba company tatu DGDA DGI DGRK kimpe limpe ya IME kama ya SSM na kusangisa bantu na kuzabisa na bantu mutindo ya kufuta mpako ina pege mwana mfumi ya isi flex and transike chilombo memu na 15 ya kupesa nzila na nima kulandana na kati ya bisika ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous vous remercions. Hymne national. Ya lukumu ya kemoni sa penza funu ya